Bonjour、あきらのおこです、この番組の、テーマソングを、作ってですね、またこうしてですね出られることはとても光栄に思ってます。ありがとうございます。今日の目次です、まずはゲームレビュー、ユンネメントプールプロレデュー、アニメレビュー、ではそれではまずは、ニュースから、はい、Blizzard vient d'annoncer l'ouverture prochaine de Zulaman. Situé dans les Terres Fantômes, ce raid pour 10 joueurs en extérieur sera plus dur que Kara et permettra d'affronter Zul'jin lui-même. Live Earth, c'est la série de concerts partout dans le monde pour faire prendre conscience du réchauffement de la planète. Ça a eu lieu le 7 juillet, et figurez-vous qu'au concert de Tokyo, on retrouvait Genki Rockets en ouverture, le groupe virtuel monté par Mizuguchi Tetsuya de Q Entertainment. Enfin, on a souvent souhaité à l'antenne la sortie officielle en France du superbe RPG Trusty Bell, Eternal Sonata en Occident. Eh bien, ce sera chose faite à la fin de l'année, c'est Atari qui va le publier chez nous. At the end of it, there lies a fate I cannot escape. Is a reality that is far too real. Suite et fin des annonces de l'E3. La série Burnout est célèbre pour ses crashs, et les développeurs de Criterion ont poussé le réalisme à un point encore jamais vu avec Burnout Paradise sur les nouvelles consoles. Cette fois, le jeu devrait permettre aux joueurs d'évoluer dans une ville entière. Voici les premières images de gameplay de Soul Calibur 4. Cet épisode sera le premier de la série à proposer des affrontements online. Uncharted, Drake's Fortune est un espèce de croisement entre Gears of War et Indiana Jones. Développé par Naughty Dog, déjà responsable de Crash Bandicoot et Jak and Daxter, le jeu proposera de partir à la chasse au trésor dans une île pas si déserte que ça. Dans le jeu des Simpsons, la célèbre famille se retrouve plongée dans un jeu vidéo. C'est l'occasion pour Bart de pouvoir se transformer en Bartman, ou pour Homer de devenir une boule humaine. Sorti à la fin de l'année. The Simpsons Game. LucasArts propose un nouveau jeu Star Wars situé entre les épisodes 3 et 4 des films. On y incarnera l'apprenti secret de Dark Vador, rien que ça. On espère juste un jeu à la hauteur des Jedi Knight d'antan. Little Big Planet est un projet très original sur PS3. Ce jeu nous place dans un environnement avec des outils simples et permet de laisser libre cours à notre créativité. Et tout le monde pourra partager ses créations les plus folles sur le PlayStation Network. Notons qu'il y aura aussi un jeu de plateforme derrière tout ça. Ah,
self-serving to me. But I, for one, pour finir, voici le nouveau trailer de Metal Gear Solid 4. Ce volet est censé être l'ultime épisode de la saga des Metal Gear Solid. A hired hit. Will you do this for me? Will you terminate Liquid? La news du salon, c'est la sortie mondiale du jeu annoncée pour début 2008. ゲームレビューです、みんなの見てくれてる中で、コナミのゲームはさてあるのでしょうか。どうぞ。Votre cerveau décline si vous ne l'exercez pas régulièrement. Depuis l'arrivée de la DS et du docteur Kawashima avec son fameux programme d'entraînement cérébral, Nintendo mène la danse en ce qui concerne l'exercice mental. Le premier concurrent sur DS du Dr. Kawashima avait été justement Cerebral Academy. C'est maintenant celui-ci qui sort en premier sur Wii. Voyons voir comment on peut entraîner son cerveau sur la télé. Dans l'univers du jeu, Cerebral Academy est une université du cerveau. Tout y est à la gloire de la matière grise. Le classement des élèves se fait suivant le poids de leur cerveau. Lors de l'arrivée à l'école, le joueur est accueilli par le professeur Neurone, qui n'est autre que le principal de l'établissement. On s'inscrit avec son Mi, et on aura d'ailleurs la bonne surprise de voir les Mi enregistrés sur sa console se balader dans les couloirs de l'école. Une fois notre nouvel élève inscrit, son dossier scolaire est créé. Il recensera toutes les statistiques du joueur sur les différentes épreuves du jeu, à l'examen comme à l'entraînement. Dans Cerebral Academy, 5 catégories prennent part dans la notation du cerveau : l'identification, la perception, la mémoire, les maths et l'analyse. Le joueur obtiendra des notes dans ces catégories sous la forme de poids de cerveau. On pourra ainsi dire de quelqu'un qu'il a 200 grammes en analyse et 300 grammes en perception. Toutes ces notes combinées lors de l'examen donneront le poids final du cerveau du joueur. Cerebral Academy propose un mode solo et un mode multi. Dans le mode solo, on se croirait chez le docteur Kawashima. On a au choix l'examen ou l'entraînement. À croire que le docteur a vraiment posé les bases du genre. L'examen de Cerebral Academy propose aux joueurs de se tester dans les 5 catégories du jeu. Chaque catégorie propose 3 mini-jeux différents. Et bien sûr, pendant le test, la difficulté va augmenter progressivement. La note attribuée dépendra du nombre de bonnes et de mauvaises réponses, mais aussi du temps mis à répondre. Jusqu'ici, rien que du bien classique. Mais ici, on est sur Wii. La question est de savoir si la jouabilité à la Wiimote allait révolutionner les choses. Curieusement, les développeurs du jeu ont réussi à retranscrire fidèlement l'ambiance du jeu au stylet sur DS. La Wiimote est fiable et précise. Et après un peu d'entraînement, on se prend à oublier complètement l'interface. Notons que le jeu tire très bien parti du petit haut-parleur intégré dans la Wiimote, qui sert à prodiguer instructions et encouragements, et même parfois les réponses à retenir dans certaines épreuves. Les jeux qu'on rencontre dans les épreuves sont clairs et précis. On trouve de la mémorisation, de la réflexion, de la rapidité et une bonne dose de calcul mental. L'entraînement permet de revenir sur ses épreuves au niveau de difficulté de son choix. Et puis en fait, c'est tout pour le mode solo. En multi, 3 possibilités s'offrent aux joueurs. La première est le sprint cérébral, où l'on pourra affronter un adversaire dans une course d'épreuve. Point intéressant, on peut aussi choisir d'affronter le fantôme d'un joueur présent sur la Wii. La seconde possibilité est le marathon mental, qui est un peu comme le mode survival dans un jeu de combat. Cela veut tout simplement dire que le jeu se termine à la première épreuve ratée. Enfin, le troisième choix est le quiz neurone. Ce quiz est en fait un mini-jeu de société. Des épreuves sont tirées au sort, avec un niveau de difficulté variable et sont représentées par des cartes. À son tour, chaque joueur tire une carte et essaie de faire le meilleur score.
Quand les cartes sont toutes jouées, le jeu déclare gagnant le joueur qui aura récupéré le maximum de points. A noter que ce mode inclut 5 épreuves exclusives en plus des 15 habituelles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Cerebral Academy n'est pas bourré de bonus. Le petit nombre d'épreuves différentes est la principale faiblesse du jeu. Sa force, par contre, est la parfaite intégration avec les Mii, et aussi son mode multijoueur. Avec sa prise en main immédiate, Cerebral Academy est un jeu familial. Il faut finalement reconnaître que le jeu présente un niveau de finition impeccable. L'interface est un plaisir, et cela ne fait que faciliter l'approche du jeu par les personnes peu habituées aux jeux vidéo. Un petit point aussi pour les joueurs hardcore du cerveau. Il est possible de s'envoyer par internet les dossiers scolaires des élèves. Si on réussit à maîtriser le jeu, rien de plus appréciable que de voir s'énerver les copains qui perdent à répétition contre le fantôme de son avatar. Au final, il ne faut pas attendre de Cerebral Academy un répertoire complet des épreuves d'entraînement du cerveau. Mais ce qu'il fait, il le fait bien. Et il rejoint la catégorie des jeux qui rendent le jeu vidéo accessible à toute la famille. Aujourd'hui, dans une minute pour parler, on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore la répétition. On va parler des vendredi 13. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Ettenbrook. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes le co-scénariste de la série de films Les Vendredis 13. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, je suis né un vendredi et j'ai 13 testicules. 13 testicules? Mais où vous mettez tout ça? Vous avez un slip XXL, peut-être? Non, parce que, bon, déjà, elles sont toutes petites et j'en mets une devant, une derrière, une devant, une derrière, une devant, une derrière, un peu sur le côté, mais après une devant, une derrière, une devant, on en est où? Une derrière. Ok, non, c'est bon. Excusez-moi. Mon assistant n'avait pas du tout écrit ça sur mes fiches. D'accord. Je m'excuse, je vais la punir pour ça. Mais écoutez, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, si, je sais, je vais attendre vendredi. Le vendredi, elle prend son petit jour tranquille chez elle. Elle est toute seule, elle vit seule parce qu'elle est moche. Elle sera tranquille chez elle. Elle va se faire son petit pop-corn, comme tous les vendredis soirs. Et là, je vais lui téléphoner. Je vais pas dire que c'est moi. Je vais faire... Allô? Je sais que t'es en train de te faire cuire du pop-corn. Et là, je défoncerai la vitre d'entrée. Voilà. Et je rentrerai avec la tronçonneuse et je la courserai dans toute la maison. Et même, je passerai à travers la télé parce qu'elle aurait peur comme ça. Et je la découperai en morceaux, et je la donnerai à manger à ma mère. Parce que ma mère adore le clafoutis d'assistante. Ah bon? Moi, je connais pas, j'ai jamais goûté. C'est goûtu. Faudra m'en garder un peu. Oui. Bon, revenons au sujet, les vendredis 13. Mais alors, quoi qu'on casse le vendredi 13? Quoi qu'on casse le vendredi 13? Alors, le vendredi 13, c'est très simple, c'est un jour inventé par la Française des Jeux pour vendre des cartes de vœux, des chocolats, des fleurs. Bon, c'est juste commercial. Je crois que vous confondez avec la Saint-Valentin qui est un autre jour. Oui, non, c'est parce qu'en fait, cette année, là, la Saint-Valentin est tombée un vendredi 13. Je m'excuse, hein, je vais à tout va en contresens avec vous, mais je crois que la Saint-Valentin est un 14, et donc que le vendredi 13 tombe plutôt un 13. Ouais, mais là, vous chipotez pour un jour, ouais, c'est bon, on n'est pas à la minute non plus, quoi. Ah, si, on est dans la minute pour parler d'eux. Ok, donc on revient au sujet. Donc le vendredi 13, mais quoi qu'on crée ce vendredi 13? Pourquoi vendredi 13 et pourquoi pas jeudi 12 ou pourquoi pas samedi 14? C'est bien aussi le samedi 14, hein. D'ailleurs, j'adore le samedi 14 parce que j'ai été dépucelé un samedi 14. Et d'ailleurs même, c'est demain. Demain, c'est pas le jour où vous m'avez invité au restaurant? Si. D'ailleurs, tu préfères quoi? Viande ou poisson? Poisson, c'est vendredi, logique. Non, demain c'est samedi 14. Aujourd'hui on est vendredi 13. Je pige rien. Excusez-moi. Oui. Vous êtes qui? Je suis Donatello des Tortues Ninja. Kawabunga! Tiens, tu n'as pas volé, Shredder! Je vais me faire engueuler par Krang. Il n'existe pas dans la BD, ta gueule.次はアニメレビューです。
フランスで発売された今週の、アニメタイトル、さて、どんなのがあるでしょうか。どうぞ。Pour Japan Expo, Biz a sorti la grosse artillerie en nous proposant deux éditions de Solid State Society, le troisième opus de Standalone Complex, dont une collector proposant en digipack un DVD supplémentaire bourré de bonus. Ce long métrage, dont la qualité technique se rapproche de celui d'un film cinéma, propose une histoire complète, développée en 1h40. Deux ans après la fin de l'histoire des 11 individuels, la section 9 est dirigée par Togusa, alors que le major Kusanagi est porté disparu. La section s'est agrandie, mais les problèmes sont toujours légion. Une vague de suicides mystérieuse, un nouveau hacker se faisant appeler le marionnettiste, un sniper de légende qui s'introduit sur l'archipel, des disparitions massives d'enfants. Sans compter que le premier ministre Kayabuki est toujours aux prises avec le problème des réfugiés. La section 9 vieillit dans cette nouvelle histoire, et tous se posent des questions sur leur motivation et leur volonté de vivre, chacun trouvant sa réponse à sa manière. Kamiyama Kenji donne une ampleur éblouissante au monde de Ghost in the Shell en explorant les voies délaissées par Oshii ou Shiro. Le réalisateur apporte une réponse à la question que les deux autres posaient. Qu'est-ce qui fait des protagonistes des personnages humains ? Une fois n'est pas coutume, parlons cinéma. Et la sortie animée au ciné du moment, c'est La Traversée du Temps. Ce film, réalisé par Hosoda Mamoru dans le prolifique studio Madhouse, était très attendu. Sa sortie a été très remarquée aussi. Preuve en est, le grand prix du jury du festival d'Annecy 2007 qui lui a été décerné récemment. Tokio Kakeru Shoujo, ou Tokikake, raconte l'histoire de Kono Makoto, une lycéenne de 17 ans qui acquiert le don de traverser le temps. Capacité présentant des avantages certains pour avoir de bonnes notes, mais qui se révèle vite compliquée à gérer. Hosoda n'est pas un inconnu. Pressenti un temps pour réaliser le château ambulant chez Ghibli, il s'est notamment distingué sur des films de commande, comme Digimon, On ne ricane pas, ou encore le sixième film de One Piece, Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima. Entouré d'un staff prestigieux comme Sadamoto Yoshiyuki au character design, il nous livre ici son film le plus personnel, adapté d'un livre de Tsutsui Yasutaka, déjà auteur du roman de Paprika. À n'en pas douter, l'émergence d'un vrai réalisateur d'animation, qui a su se faire remarquer au sein de réalisations commerciales. Yotta. It's for no. あれ?
anglais? Hmm? Dareka iru to omotta no ni. Ara. Mishitsu.私はですね、とてもライブがゲームのプロデューサーとしてもそうですけど、私はライブがとても多くてですね、ストックホルムでプレイというオーケストラと一緒に共演したりですね、また日本でもいくつかライブをやってるんですけど、私は本当パフォーマンスの多い年で、このあと 今後、今年の末まで後半戦も、たくさん、いろんなところに登場していきたいなと思ってます。またこの番組でもですね、私の PV が流れてるんで、ぜひ、清き一票、日本語で清き一票お願いしたいと思ってます。ぜひお願いします。